c'est 10 heures, donc je pense qu'on peut commencer. Monsieur le Président. C'est bon, on peut commencer? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, on t'entend. Oui, on vous entend. Oui, pour moi. Donc, c'est bon, on commence. Oui. Arnaud, il n'est pas là, Guillaume? Donc, il est en train de se connecter. Il a quelques D'accord. problèmes de Wi-Fi, mais il entend tout, donc il est dans la salle avec nous. D'accord. OK. Donc, j'y vais. Donc, voilà. Bonjour, Michel. Bonjour à tous. Je suis donc Abdallah Makoul, professeur à l'Université Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est un honneur pour moi de présider ce jury ce matin. Donc, je souhaite à tous le bienvenu à la soutenance de thèse de doctorat de Monsieur Michel Bakny. Cette thèse est intitulée en anglais Multidimensional Cross-Level Tool for Wireless Sensor Networks Constrained by Energy. Donc, voilà, Michel, tu as 45 minutes pour nous présenter tes travaux de thèse. Ensuite, nous passerons à la session des questions. Voilà, c'est à toi. Thank you. I would like to thank you and to thank all the members of the jury to be on Teams as part of the jury of my thesis. The thesis is entitled Multidimensional Cross-Level Tool for Wireless Sensor Network Constrained by Energy. First of all, I will provide a very brief context, and I will highlight the problematic I address it in my thesis. After that, I will go to explain some details about modeling and simulation of wireless sensor network. Then I will show the methodology I follow in my research. After that, I will present the results I have and have some discussion about that, and I will finish with conclusions and perspective. This thesis focuses on the wireless sensor network, which is a special kind of networks that includes a set of nodes that are wirelessly connected. This system has many abstraction level. For example, we can look at the network from a system point of view, from a node point of view, and we can dive further to go to the circuit node on view, node point of view. In addition to that, the main characteristic of this kind of network is the limitation of the energy. In this context, my thesis, I did my thesis, and the main problem I'm going to address is how do we model a system like this? In addition to that, I need to include energy in the model I have. So if we can put the two things together, it will be that we are looking for a model for wireless sensor network that is aware of energy. The main second challenge or problem we are going to address in these thesis, it's the simulation of wireless sensor network. The objective is to create a multidimensional tool for this kind of network. Now I will go to explain a little bit about the modeling and simulation of wireless sensor networks. As I said before, this kind of network is specific because it has some characteristic. I will go to explain this characteristic
First, we look at the system from the system. We looked at the network from the system point of view. We have a plenty, several, many topologies. For example, we have the first type of topology we have is the predetermined topology. In the predetermined topology, we know exactly the each node know the number of neighbors that it can has. The second type of topology is the random distributed topology. In this kind, we have a dynamic. We can see the dynamic nature of this type of network. Nodes can be randomly distributed, and this will add more challenge because each node should be able to identify its own neighbors. In all the cases, nodes can play different roles. For example, it can be a sensing node that collect information from the surrounding, or it can be a sync node that connect the wireless sensor network to the internet or to other kind of networks, or it can be a relay that connect the previous two types. Now, if we choose one node and we go deeper to see what's inside this node, here I show a typical structure for wireless sensor node. We can have a power unit, sensing unit, processing and communication units. And we have a huge diversity in every component of the node. For example, if we take the power unit, we have energy harvesting components, battery and regulators. For sensing unit, we can have different kind of sensing, for example, an acceleration sensor. If we take the processing unit, we have microcontrollers or processors. And even if we take the communication unit, the nodes can have a radio frequency communication unit, or it can have a physical ports attached to it. Now I will choose the communication unit, and I will dive further to see what are the protocols supported in this kind of network. This is a protocol stack supported in wireless sensor network. And as you can see, we have four layers. And in each layer, I will give only one example just to show the diversity of protocols possible in this kind of network. For example, we can have the constrained application protocol at the application layer, the UDP at the transport layer, the IPv6 on the internet layer, and a plenty of protocols such as LoRa and ZigBee at the link layer. In addition to that, we have the routing protocol that can work on any of the previous layers. For example, I will show the OLSR, which is a unicast routing protocol, and the GMR, which is a multicast routing protocol. So, having all this in mind, we can arrive to the point that we have a complex system that includes a many layer of abstractions. This, putting this together, will create a design problem for people who work in this domain, either in a research domain or in the design domain. To address this design problem, simulation is a very good tool to address that. But to have the simulation, we need to first to choose a modeling approach to follow. And after we choose the modeling approach, we need to create a model. Then we implement the model to have a simulator that can run simulations. So even the simulation itself is complex. Now I will go to explain a little bit about the simulation of the wireless sensor network. First of all, I will show a level-based classification of the modeling approach used in this kind of network. First of all,
we have the single level model. In this kind of model, we have only one level, and inside this level, we have a set of layers. These layers can have connection between each other. If the layers respect the order of if the layers respect their order, it's called a stack model. And if the layers have relationships or interactions that cross the layers boundary, it's called a cross layer single level model. If we want to add more complexity, we can have the multi-level model. In this level, we have multi-layer, and inside each we have multi-level, and inside each level, we can have a set of entities or layer that connect with each other. The relationship between the levels respect the order of the levels. The last type of the models used for this kind of network, it's called the cross-level model. In the cross-level model, we have multi-level model, but the interactions in this kind of model does not respect the order of the order of the levels. If we take that into practice, we can see that the simulator of wireless sensor network always follow this classification. For example, for the single level simulators, we have two famous simulators, which are NS2 and Omnet++. For the multi-level model, we have the sensor sim, and for the cross-level, we have CUJA. Now, this is a classification that is based only on the modeling approach. Now, if we add the energy to this classification, we can classify the simulator into energy-oriented and non-energy-oriented simulator. All the simulators we talked about before are energy-oriented, are non-energy-oriented simulator. For the energy-oriented simulator, we have the same classification, so we can have a single-level energy-oriented simulator, such as PowerToSim, or we can have multi-level energy-oriented, such as EDA. And from what we have studied, we were not able to detect a cross-level energy-oriented wireless sensor network simulator. And this led us directly to the research question of my thesis, which is how to provide an energy-aware model for wireless sensor network that follows the cross-level modeling approach. To answer this question, I am going now to show you the methodology I followed in my research. The research plan includes four steps. First of all, I had to identify the challenges I had in my thesis, to describe the problem, in other words. After that, I need to propose a solution for the problems described in the first step. Next, I need to implement the proposal. And finally, if I have the proposal, I need to validate it, to be sure that it works properly as it is designed for. So first, I will go into identifying the challenges. To identify the challenges, I followed a methodology called the two diamond. This methodology is used when we have a problem that is not very well identified, and we need to describe it well. So I will start by making a survey on the wireless sensor network simulators. And on this survey, I will make a statistical analysis to select a set of simulators. After that, working on the number of citations only, which is the base of the statistical study, is not enough to provide a solid base
for study of the simulators. So I will create an evaluation criteria to evaluate the selected simulator. After that, I will study the simulators I have selected, and I will focus on the modeling and the energy awareness. The objective of this is to identify the modeling challenges. So to do that, I make a survey on the scientific papers that are that handle this issue, and and the survey I did, it was citation based, which means I am looking for the number of citation for every simulator. I was able to detect 80, more than 80 simulators, and I divided that into three groups of simulator. The first group is the group that includes less than 8 citation. The second group is the group that includes more than 20 citation, and the third group is the simulators that fit in between the two groups. Based on that, we have only three simulators from the first group, and we select them, which are TOSIM, NS2, and Omnet. In addition to that, we choose another simulator that is more recent and that has an interesting modeling approach, which is called IDEA-1, and we add it to our selected simulator. So now we did a survey on the simulator, and we selected the simulator. Next step is going to be developing an evaluation criteria to evaluate the simulators we have. To do that, we developed a criteria that includes 10 items. I will only show 3 of them here. The first item I'm going to show is the modeling approach. And as I showed before, modeling of wireless sensor network can be single, multi, or cross level. The second item is the awareness to energy. And I will study every simulator to see if it supports generation of the energy, storage, and consumption. After that, I will the third item is the heterogeneity, which means the ability of the network to support different kind of nodes. The ability of the simulator to support different kinds of nodes at the same time. Now I'm going to put the 4 simulators we have chosen into these 3 items to see what we have seen. First, if we take the modeling approach, we can see that NS2, Omnet, and TOSIM are single level. However, IDEA-1 is multi-level, a simulator. If we take the energy awareness, and as I said, we are going to look for the modeling for consumption, generation, and the battery, which means stockage or storage. NS2, for example, has only consumption and storage models. Omnet has all of the 3. TOSIM doesn't have an energy model at all, while IDEA-1 has only consumption and battery model like NS2. If we take the heterogeneity into account, we can see that NS2 and Omnet does not have a support for the hardware because they are single level and they are dedicated to the system or topology level. However, TOSIM, which is a single level model, a single level simulator, can support heterogeneity, which means it can support different kind of networks, of nodes that works together. But on the contrary,
because it is single level but dedicated to the hardware level, TOSIM doesn't show any support for software of the network. If we take IDEA 1, we can see it supports the heterogeneity because it is multi-level simulator and it includes the level of hardware. So now I finished the studying of the model of the simulators, and I need to identify the challenges. For the next, the idea here is to show what the studying, after studying these simulators, what did we learn? How do we create a simulator? How do we create a model for wireless sensor network? What did we learn here is that we need to define what are the structural needs, and this point is related to the modeling approach. And then we need to define the temporal requirements, and temporal is very important for the simulation aspect and to calculate energy. In the next slides, I am going to go a little bit further to show how we were able to define, to propose, or to define both of the requirements described here. To define a structural concept, we created four concepts. First of all, we defined the object, which is the small modeling block that we use. Objects can include parameters, which are a property for an object. Objects can be in different level of abstraction, and the level is based, the definition of the level is based on the functionality. If two objects are in the same level, they can have intra-level interaction. If the two objects are in two different levels, the interaction between the two is called cross-level interactions. Now, based on this, we can go further and we can define a model for wireless sensor network that includes four levels. The first level is the use case level. In the use case level, we have the scenarios that are created to describe a specific application. The second level is the topology level, which is specified to describe the network as a system. After that, we have the node level, where we can have different kind of nodes, and each kind can include software and hardware, and this leads us to the final level, which is the circuit level, which includes the circuit that construct the node. Now we go further to have a look for the real model that we adapted. And as you can see, we have the four levels, and in these four levels, inside each level, we have blocks. And the blocks can have relationship with each other. For example, we have the kind of relationship which is called the derivation relationship. The derivation relationship, it's a relationship that make a connection between two blocks, and one block is a kind of the second one. For example, if we take the sensing unit, telecommunication, and the processing unit, these blocks are circuit. So the circuit here is an abstract block, and the three blocks are derived from it. The second kind of of blocks is called the child-parent relationship. In the child-parent relationship, we can have a block that is part of the other block.
For example, here, every circuit can have a regulator, one or more regulators that are attached to it. And this is how did we describe the structural of the wireless sensor network. Now, next, I will go to explain how did we define the temporal concepts of the wireless sensor network. To do that, we had to define three concepts. First, we define the phase. The phase is a period of time that is associated into one or more energy or current level, power or current level. The set of phases that is periodically repeated is called pattern. And because the pattern, we assume that in wireless sensor network, the consumption of the energy is taking place in a periodic way. And if it's going to be in a periodic way, we can calculate the frequency of the pattern, which is very important parameter in our modulation. If we take that more one step further, and we go to show how did we implement that, I will show an example for the sensing unit. In this example, we have a sensing unit that starts working, that starts the pattern at the sleep states. After that, it wakes up to make only one measurement, then go back to sleep. After that, it wakes up again to make the second measurement, and then it goes back to sleep until the end of the pattern. This is one pattern for the sensing unit. To implement this pattern, we developed a model, as I'm showing on the screen, which includes five stages. We start by the data created from the sensor. From the data, we can calculate the time needed for each phase, based on the sequence I showed before. After that, we can add the current level from the data sheet of the simulator to include the energy perspective of the model. Then we include the supply voltage and the time to calculate energy. And we did that for the sensing unit, the processing unit, and the telecommunication unit. In addition to that, to increase the accuracy of the energy model, we decided to include the regulator of the circuits in the calculation. None of the simulators we have studied have done this before. The regulator is a circuit that sits in between the battery and the circuit. The main objective for the regulator is to provide a stable voltage supply for the circuit. The relationship between the current drawn from the battery and the current that is the output of the regulator, which is called I circuit and I path in this figure, we have two kind of relationship. First of all, we have the linear regulator. In this kind of regulator, the input and the output currents are the same. And we have the chopper regulator. In chopper regulator, we have an efficiency factor that can be included in the equation that governs the relationship between the current of the circuit and the current of the battery. We were able to create one equation that includes the two equations by using a factor K that can be set either to one or to zero to provide us with a way to select which kind of regulators do we have. The next step of the research methodology is to implement the model we did. To do that, we used MATLAB.
And our simulator has three stages. First, we have the configuration stage. In this stage, we can create a scenario using commands, and we can create the blocks I have shown before using these commands, and we can store them with we can store them as an XML files. The simulation core take the commands from the command line and take the XML file from the scenario repository. It runs the simulation and provides the results. The results are shown in the graphical interface for further analysis. After that, the last part, it will be the validation. In the validation, we are going to look into three main objectives. First, we need to see if the cross-level concept is working. Second, we need to compare the results we have with another wireless sensor network simulator, which is NS2 in this case. After that, we need to compare the results we have with the physical nodes. Now I'm going to talk about the results I have, and I will elaborate a discussion about them. First of all, I will just provide a scenario where we have two nodes. We have node A and node B. Each node has a sensing unit, a microprocessor, and a telecommunication unit. And each node can be has a different pattern. The pattern here works as follows. Node A starts in the sleep states, then it wakes up. It makes one the TMP 102, which is the sensor, make only one sensing measurement. Then it sends the data to the node B and goes back to the sleep again. Meanwhile, the node B, it wakes up with the node A, but it stays at the active state until the end. Until it receives the data and it goes back to sleep. Doing this in our simulator, we were able to have the following results. First of all, we can see the topology level. At the topology level, we can have two nodes, node A and node B. And we can choose one of these nodes. If we go further and we choose one node, we can have the energy consumption pattern of these nodes, and we can have the consumption at the node level as a percentage, and we can see the different circuits of the inside the node and how much energy every one of them consume. Now we can go further and we can see that we can select one circuit and to see how it works. For example, here I choose the peak, which is the processing unit, and as you can see, we have three phases, which are sleep, wake up, and active, and we can see the consumption of the processing unit within each phase. This leads us to the conclusion that the multi-level energy that we have a multi-level energy aware simulation tool. Now we go to check the cross-level property. Does it work? To do that, I will give one example, which is the relationship between the distance between the node and the energy consumed. The node positions are reside inside the node. If we change the node position, the power level used at the transmission at the telecommunication unit will be changed automatically. After that, the pattern of the circuit will change. When the pattern of the circuit change, this will lead into a change in the consumption of the node, which resides in the node pattern. Finally, this will affect the node lifetime because the energy will consume more or less energy.
And we were able to detect the relationship between the distance between the node and the energy consumed by the node. And this is an example of a cross-level interaction. Now we go to the next step, which is compare our simulator into NS2. And as I said before, NS2 doesn't support the hardware, so it supports only the software of the telecommunication unit. So we don't have a processing unit or sensors in this scenario. And I said before that it is only single level, and it's dedicated to the topology level, and it doesn't support heterogeneity, so the nodes are the same. The scenario proposed is as follows. We have node A and node B. Node A send one message to node B, and node B will repeat the same message back to node A. I'm going to use two different protocols, which they are Wi-Fi and Zigbee. I will use different frequency of the pattern to send the message at different rate, and the size of the message will be different as well. The objective of this step is to see, are we able to detect pattern with NS2, and how much are we far from the results of the obtained results, how much we are far from the results of NS2. First of all, as you can see, we have two protocols. And as you can see, we have two different patterns, and we were able to detect, even with NS2, we take the results, we analyze them, and we were able to detect the patterns in NS2. In addition to that, we calculate the relative error rate when the pattern of the frequency of the pattern is 0.1, is 1 and 2. And if the frequency is 1, this means that we send one message every 1 second. And here I'm showing the results for when the size of the message is 10, 50, and 100. And as you can see, in the worst case, we have only an error rate, which is 3.5%. And this led us to the conclusion that our model is very close to the NS2 model in terms of energy. In addition to that, now we do the same simulator in our the same simulation in our model, and we are trying to answer the question: if we have a specific scenario and we need to choose one specific protocol of Zigbee or Wi-Fi, how can we decide which protocol to use? We did this based on the cross-level interactions. In this picture, you can have you can see we have two zones, and inside these two zones, we have the relationship between the size of the message and the pattern of frequency. If our scenario fits in the dark blue zone, this means that that Wi-Fi consume less than Zigbee. If our scenario fits in the sky blue zone, this means that that Zigbee consume less energy than Wi-Fi. And if the scenario fits on the red line, this means that in this scenario, if we use the two protocols, the consumption of the energy will be the same. This is an assistance tool that helps us make a decision in the wireless sensor network domain. Now I will go to the final part of the validation, which is compare the results we have with a physical node. In this, to do this, we have two nodes, which are node A and node B. Each node includes a telecommunication unit, which is MRF
2024G40, and we have a microcontroller. We measure the current inside the node R, and we show it on the screen of an oscilloscope. In this scenario, we have two nodes, as I said, and the pattern is as follow. The node R wake up, the telecommunication unit of node R wake up. It goes to the receiving state for the calibration of its telecommunication unit. Then it sends one data frame, and it waits to receive the acknowledgement. And when this is done, it goes to the sleep again. In the meanwhile, the node B is always in the active state. As you can see, on the left, you have the simulation result for this scenario, and on the right, you have the measurement result. And we were able to create a scenario that is close to the real life. For example, in one, we have the sleeping state. Then in two, we have the calibration states. And in three, the node is sending data. And in four, it is waiting for the acknowledgement. And in five, it waits to sleep again. We had a lot of difficulties in this part because it's very hard to configure all the parameters in real life. In the simulator, it's one parameter that you can change it. But in the real life, in the physical circuits, it's more complicated than this. In all the cases, we can say that we were able to represent a given energy consumption pattern. Now, finally, I will go to the conclusion to conclude the work I did. The first thing we have is we were able to follow a cross-level modeling approach. And as I showed before, we were able to show the interactions between parameters that resides in different level of abstractions. Second, we were able to create an energy-aware model. For us, it was possible to follow the consumption of the energy in wireless sensor nodes. The good things we did is that we were able to put the two together to create an energy-aware cross-level model for wireless sensor network. And this is one of the objectives that we were looking for from the beginning. Another kind, the second objective I have talked about in the first of this presentation is the creation of the multidimensional simulation tool. And as I showed in this presentation, we were able to create a cross-level simulation tool. And here I am putting it to compare it with the other four simulators we have studied. And as you can see, our simulator is cross-level. It is able it is aware of the energy consumption and the energy storage. And we are still working on the generation part. We did not have good results yet, but this work is still in the progress. In addition to that, and as I showed in the presentation, our simulator supports heterogeneity, which means we can have nodes that have different consumption or different infrastructure in terms of hardware. I will finally conclude this presentation by showing some perspective for the future works. First of all, the processing unit we have follow a very simple model. It includes only sleep, wake up, and active states. We are looking to have a more complex
model that have details such as different computation modes or include different frequencies. In addition to that, we implement a very basic wireless medium in our model. The idea is to add more, we are looking forward also to add a more realistic model. A model like this will can include like obstacles to see how signals propagate in an environment like this, and how will that affect the consumption of the energy. Additionally, all the examples you have seen have only one wake up phase for the processing unit. In the time being, we are not able to support more than one wake up for the processing units, but we are looking forward to have a multi wake up pattern. In addition to that, our simulator can support only periodic and regular activities, and some activities, such as the routing activities, which can occur at any moment, are not periodic. So in the time being, we cannot support them. But we are looking forward to create an event-based simulation to include the concept of the event in our simulator. We will be able to support unregular actions. In addition to that, as you have seen, the GUI of the simulator is still basic, and we can work on developing it. For example, we can have energy bars at the topology level to show how much energy left inside each battery, inside each node. And we look forward to enhance the measurement part by creating a multiplexing system that is able to sense current consumed at different levels. I would like to thank you all for hearing, and I am ready for your questions. Okay, thank you, Michel, for this clear presentation. So now we will start with the question and answer session. I think for the members of the jury, you can ask your question in French. Oui, c'est possible. Si vous aimez, vous pouvez poser les questions en français. Okay, très bien. Donc je vais passer la parole à la première rapporteure de la thèse de Michel, donc Madame Cécile Belliodi, qui est maître de conf HDR à l'Université de Nice Sophia Antipolis. Bien. Alors, je vais parler en français, mais s'il y a le moins de soucis, Michel, tu me le dis. Il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, juste, je voulais te remercier déjà de m'avoir... D'abord, merci, Monsieur le Président. Je voulais remercier tes coordonnateurs, enfin, tes encadrants pour m'avoir invité à cette thèse, que j'ai beaucoup apprécié. Donc, j'ai déjà beaucoup apprécié ton manuscrit parce que tu as fait vraiment un gros effort de positionnement pour identifier l'ensemble des manques pour les simulateurs de réseaux de capteurs sans fil. Donc, effectivement, ça, c'est un point très positif. Et tu as su aussi proposer des solutions qui sont très intéressantes. D'accord ? Voilà, je voulais te féliciter donc, pour la rédaction du rapport qui est très clair. En plus, on va dire, des contributions et pour ta présentation aussi qui vient, je veux dire, en appui de ton manuscrit et qui aussi était très claire. Alors, malgré tout, j'ai quelques questions. Voilà. Donc, en fait, dans ton manuscrit, tu as commencé, en fait, au départ pour, on va dire, expliquer les manques, tu as mis, tu as défini 12 critères d'évaluation, d'accord, que tu n'as pas repris dans la présentation, ce que je comprends.
Je trouvais que c'était en fait très intéressant, hein, je voulais te le dire, cette façon dont tu as pu évaluer et comparer, d'accord, qui était c'était un travail très complet. Et enfin, donc, tu proposes donc de réaliser un simulateur que tu as déjà réalisé d'ailleurs, cross-level, avec pour objectif d'avoir un modèle d'un point de vue de l'énergie beaucoup plus précis que tous les autres simulateurs. Alors, moi, j'ai quelques petites questions parce que je ne suis pas sûre d'avoir tout bien compris. Alors, d'abord, l'aspect topologie. En fait, au départ de ta présentation, tu montres des topologies différentes. Alors, les deux grandes, hein, on va dire, c'est les topologies en étoile hiérarchique et les topologies mèches. Donc, je voulais savoir comment tu as vraiment pris en compte dans ton modèle. Voilà, là, tu présentes les topologies. Et comment, est-ce que tu peux m'expliquer sur cette planche? Comment tu prends en compte ça dans ta proposition finale de simulateur? C'est-à-dire des nœuds avec en gros des comportements qui peuvent être différents, si c'est des passerelles, si c'est le sync, etc. Ou si c'est le sensor. Ok, je peux expliquer. En fait, oui, je pense pour trouver la bonne solution, pour pas parler. Tu peux parler en anglais, hein, si tu veux. Non, ça va, je peux continuer en français, c'est pas grave. Nous, on a juste montré des résultats avec deux noms et c'était pas très clair l'aspect comment la topologie va être comment on peut montrer l'impact de la topologie dans la consommation d'énergie, mais moi je peux dire il y a deux choses on peut l'impliquer. La première chose c'est la distance entre les nœuds et ça c'est un aspect qui est parce que la position du nœud c'est une chose au niveau du nœud, mais la distance entre les nœuds c'est un paramètre de niveau topologie. Donc, on peut avoir plusieurs nœuds qu'ils ont installés dans des positions différentes et on peut voir comment la distance entre les nœuds va effectuer la consommation d'énergie. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut avoir l'aspect hétérogénéité qui nous montre d'avoir différents types de nœuds dans la même topologie. Malheureusement, dans notre travail, on n'a pas fait des tests sur différents types de nœuds ensemble, mais on a plusieurs scénarios qui incluent différents types de nœuds. J'espère que j'ai. D'accord, oui, j'ai compris. Alors, d'accord, je te remercie pour ta réponse. J'ai une autre question. Alors, en fait, lorsque tu as modélisé, tu dis que tu as des nœuds, tu peux avoir des nœuds hétérogènes. D'accord. Alors, moi, j'ai travaillé sur pas mal d'applications, là, sur des, on va dire, des objets connectés qui peuvent être effectivement des nœuds de capteurs. Est-ce que tu es capable de prendre en charge, c'est-à-dire là, tu as considéré, il me semble dans tes exemples, que un nœud égale un capteur. Est-il possible d'ajouter plusieurs capteurs dans le même nœud? Oui, c'est possible. Et je vais juste ici, vous pouvez voir que je dis Power Unit, Sensing Unit, Units, avec un S, oui. avec un S. Et ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs capteurs en même temps. D'accord, mais par exemple, je te cite un exemple, hein. Oui. Par exemple, si tu fais de la surveillance médicale, par exemple à domicile,
ce qui est le cas beaucoup avec le Covid, là en ce moment, pour décharger les hôpitaux. Donc en fait, tu vas avoir des constantes comme par exemple le CG, le MG, avec, si tu veux, sur le même nœud, quelque chose qui a 100 Hz, c'est-à-dire une mesure, d'accord, sur 1 divisé par 100. Et après, tu vas avoir par exemple une mesure de la température qui va se faire toutes les minutes. Donc en fait, c'est des comportements un peu différents dans les capteurs. Donc je voulais savoir si justement il fallait que tes capteurs aient exactement soient pris par exemple une seule mesure au même moment ou s'ils pouvaient avoir eux-mêmes des comportements différents. En fait, c'est possible. La seule chose, bon, j'ai besoin de poser la question, est-ce qu'ils sont périodiques? C'est ça la question. Parce que si ils sont Oui, ils sont périodiques. périodiques. Oui, tout à fait. Ils sont périodiques, mais c'est la période qui est différente. Oui, parce que j'ai vu que tu prenais des nœuds périodiques. Hein, on Oui, est d'accord oui, là-dessus. oui, oui. C'est simplement dans la périodicité, c'est pas la même période. Donc du coup, des fois, tu envoies des trames, mais c'est pas beaucoup d'octets de différents. Hein, donc tu peux mettre un blanc ou ne rien mettre à l'intérieur. C'est juste la fréquence de sensing qui est différente. En fait, je vais juste je vais mettre ça parce que ce sera plus facile à expliquer. Comme ça. On peut avoir une chose, un nœud comme ça, et on peut ajouter deux capteurs différents. Et le seul problème ici, c'est quand le nœud wake up. On peut pas le faire. On peut pas faire le nom. Ça veut dire la processing unit. Quand c'est wake up, il va rester wake up pendant toute les phases actives des autres composants. Donc c'est ça. Donc si on a un capteur qui a une duration plus long, oui, c'est possible. Mais je pense que ça va. Ça va faire des consommations, beaucoup de consommation d'énergie à cause de la processing unit qui est toujours active. Et ça, j'ai montré ça à la fin parce qu'on a trouvé ça comme un défaut. Et j'ai dit à la fin, on a besoin d'avoir un pattern qui peut avoir multi-wake-up. Et comme ça, on peut supporter votre scénario avec un bon résultat, bonne consommation d'énergie. D'accord. Alors, j'ai une autre petite question. Est-ce que tu peux aller sur le slide 27? 27, C'est sur, j'ai une question sur le régulateur. oui, 27, 27, oui. Oui. Alors, dans ton, voilà, avec tes formules, moi j'ai une question par rapport au calcul d'autonomie. J'en ai pas vu vraiment dans le dernier chapitre de calcul d'autonomie, parce qu'au final, c'est un peu ce qui, voilà, ce qui va être important. Et dans ton régulateur ici, est-ce que tu, donc tu dis qu'il stabilise le courant, d'accord? Oui. Donc, je comprends que c'est important de prendre en compte toute l'efficacité du régulateur. Hein. Nous, on a fait des mesures et effectivement, on avait beau mettre des microcontrôleurs basse consommation, c'est le régulateur qui prenait tout, hein, pratiquement. Mais du coup, est-ce que tu as quand même, je veux dire, au bout d'un moment, lorsque la tension de la batterie est trop basse, d'accord, le circuit peut plus être alimenté. Donc, est-ce que dans tes, si tu as fait des, si tu devais faire ou si tu as fait des calculs d'autonomie, est-ce que tu prends en compte que, au bout d'un moment, le régulateur, il aura pour rôle en fait de couper et de dire il n'y a plus assez de tension, donc de toute façon le circuit va plus pouvoir fonctionner. En fait, dans notre calcul, nous, on a assumé que la voltage, la tension de batterie, c'est toujours stable. Dans notre calcul, c'est comme ça. Je sais après, moi, je sais bien qu'après une longue période de temps, ça commence de shutdown, un plus de plus. Et ça affecte la consommation d'énergie, mais non, on n'a pas pris ça en compte.
et ça va affecter la, en fait, ça va affecter la, le lifetime d'un nom. Mais non, nous, on n'a pas pris ça en compte. Mais, c'est, mais on voit que ça, c'est un problème. C'est le modèle de Patrick qui inclut la tension qui n'était pas stable. D'accord. Alors, maintenant, j'ai quelques petites questions sur la partie implémentation et résultats. Oui. Alors, sur la partie implémentation, tu as utilisé... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai un écho, si tu peux... donc, en fait, tu dis que tu utilises MATLAB et XML. Oui. Enfin, dans ton manuscrit, je ne sais pas si tu l'as rappelé. Alors, beaucoup de gens dans la communauté, notamment sur les, enfin, les 63, utilisent beaucoup système C. Donc, je voudrais savoir, en fait, pourquoi MATLAB, pourquoi ce choix, si tu veux, qui n'est pas forcément fait quelquefois. Alors, des fois, c'est fait hein, par la communauté. Et j'aimerais savoir, est-ce que ça a été complexe de pouvoir modéliser ? C'est-à-dire, si par exemple, votre équipe me prêtait les outils, quel serait l'effort à faire ? Est-ce que c'est quelque chose de complexe ? Est-ce que c'est quelque chose d'aisé de pouvoir modéliser un nouveau nœud et une nouvelle application ? Quand on a commencé, on a trois choix. La première, c'est on utilise des langages de hardware comme SystemC ou Verilog ou VHDL. La deuxième chose, pas exagérer, mais bon, oui. La deuxième chose, c'était d'utiliser un langage on dit générique comme C++ et Python. Et la troisième chose, c'est on utilise MATLAB. En fait, on a commencé à développer sur Python, mais le problème, c'était la compatibilité de notre équipe. Donc, on a des difficultés de travailler parce que chacun il a des compétences dans des langages différents. Mais nous tous, on maîtrise MATLAB très très bien, et c'était possible pour nous de intégrer toutes les fonctionnalités nécessaires. Donc, on a choisi le MATLAB. C'était une décision basée sur la compatibilité. Compatibilité. Ouais. D'accord. Alors, j'ai encore une question, en fait, concernant... alors, je ne sais plus quelle planche c'est, où, en fait, dans la validation... Alors attends, c'est quand tu fais le test de la distance. À un moment donné, tu présentes un mécanisme qui en fait va faire en sorte que quand je suppose la qualité de service est médiocre, tu vas augmenter la puissance de transmission. Oui, oui. Voilà, c'est celui-là, je crois. Voilà. Alors du coup, là, tu commences à avoir un dispositif un peu intelligent. Oui. D'accord. Alors, donc ça, c'est bien évidemment très intéressant. Donc là, ce dispositif, il a été utilisé simplement sur le PTX. Mais est-ce que tu pourrais aller… Alors, je crois que tu le mets un peu dans les perspectives. Alors, comment tu pourrais faire pour intégrer de plus en plus de dispositifs intelligents et notamment comment tu pourrais intégrer la gestion de la consommation puisque là, tu l'évalues, d'accord ? Et comment maintenant tu pourrais avoir des politiques de gestion de la consommation ? Parce que ça, c'en est une, hein, déjà. C'est un problème. Oui, non, je comprends. Le problème ici, c'est est-ce qu'on peut moduler la OS, le système d'opération ? Parce que un acte intelligent comme ça, on ne peut pas le faire au niveau hardware. Nous, notre travail, on insiste sur des choses faites dans les niveaux hardware pour montrer l'aspect cross-level. Mais moi, je dis personnellement, je pense oui, c'est possible. On a besoin d'ajouter un composant qui représente le OS, l'operating system, et on peut l'ajouter, on peut l'attacher au niveau non. Et ce sera avec une relation parent-child avec le nom.
Ça c'est mon perspective. Si vous me posez les questions, comment on le fait? Moi, je dis, on le fait comme ça. Mais peut-être non, je ne sais pas. D'accord. Et alors là, je vais finir. C'est une dernière question. Il me semble que tout le long de votre présentation, vous parlez de génération de l'énergie. Oui. Donc, comment vous prévoyez, parce que vous en parlez un petit peu, il me semble, dans les perspectives aussi, oui. Comment vous pourriez faire ça pour intégrer un système de récupération d'énergie? Oui, on a pensé à ça. Par rapport à votre schéma, à quel niveau ça s'intégrerait? Est-ce que vous avez réfléchi à... Oui. En fait, on a pensé à ça. Et si on a besoin d'ajouter la génération d'énergie, on a besoin d'ajouter un autre régulateur. Et après, ce sera un circuit qui génère l'énergie. Mais cette fois, le courant va passer dans l'autre direction. La courant va passer d'où le circuit vers la batterie. Et on a pensé à ça et on a commencé à l'implémenter, mais on n'a pas encore des résultats. De résultats ? Ouais. D'accord. Bon. Bien, je vous remercie pour ces réponses et puis je vais redonner la main à Monsieur le Président. Merci. Merci, Madame Bellody. Donc là, je vais changer de casquette. Je vais porter la casquette de rapporteur de la thèse pour poser moi-même les questions à Michel. Donc je vais commencer par remercier Michel pour la présentation, pour cette présentation qui était claire et pédagogique, dans laquelle tu as bien présenté tes contributions et les résultats de ta thèse. Je peux dire qu'elle est juste une image de ton manuscrit qui est également clair et j'ai apprécié la façon dont tu as bien résumé tes contributions. Donc c'était un manuscrit bien structuré. Et juste je veux dire que je suis aussi très content aujourd'hui de participer à ton jury de thèse et de te féliciter pour ce bel accomplissement. Donc voilà, maintenant concernant les questions, j'en ai effectivement quelques-unes. Tu as déjà répondu à une partie durant ta présentation, donc je te remercie aussi parce que tu as pris en compte quelques remarques que j'ai posées dans mon rapport et tu les as intégrées dans ta présentation. Oui. Et voilà, j'en ai quand même quelques-unes à te les poser. Donc, je vais commencer par ma première question concernant l'aspect un peu émulateur électronique, donc l'aspect circuit. Oui. Parce que tu parles beaucoup d'hétérogénéité. Tu dis que voilà, avec mon simulateur, on peut simuler n'importe quel dispositif juste en donnant les caractéristiques de ce composant. Donc ma question, est-ce que maintenant, si on souhaite simuler un réseau de capteurs qui est formé de Telos B, par exemple, ou Mika, ou etc. Donc c'est possible avec ton simulateur, de prendre les caractéristiques de Telos B, par exemple, et déployer un réseau de Telos B et voir comment ça fonctionne. Oui, je pense, oui. Au niveau hardware, je sais pas. Oui, je pense, oui. D'accord. J'ai juste un... je ne sais pas si c'est une réponse, c'est une remarque sur la concept de hétérogénéité, parce que pour moi, c'est une hétérogénéité de la structure et c'est une hétérogénéité du pattern. Ça veut dire on peut avoir différents types de noms qu'ils ont des composants différents et donc ils consomment d'énergie différemment et c'est évident. Et la deuxième chose, quand on a deux noms mais qu'ils ont la même structure mais ils ont des patterns différents et donc ils consomment d'énergie différente. Et ça c'est un pour moi je pense à la hétérogénéité comme ça. Oui. Donc c'est pas juste les hardware différentes,
Et c'est même le pattern. C'est une hétérogénéité de pattern, peut-être. D'accord. OK, donc je reste toujours dans cet aspect pour parler un peu des protocoles de communication. Oui. Donc, dans ta présentation et dans ton manuscrit, donc, tu as donné plus de... Tu as travaillé plus sur ce modèle de communication, cette unité de communication. Et tu nous as montré donc, des résultats concernant le Wi-Fi et les Zigbee. Oui. Et donc, ma question, est-ce qu'on pourrait intégrer d'autres types de protocoles dans ton simulateur? Genre, voilà, par exemple, on peut dire on va utiliser des nœuds PICOM qui utilisent un protocole LoRa, LoRaWAN avec gateway. Oui, c'est possible et je vais juste montrer comment c'est possible. Si on prend par exemple ça, et ici, vous pouvez voir au niveau du circuit, on a le protocole. Le protocole, c'est un bloc différent. Et le protocole ici, c'est le protocole de link de niveau link, le protocole de liaison. Et le protocole de liaison, ici, dans les scénarios que j'ai présentés, ils sont Zigbee et Wi-Fi. Wi-Fi. Mais on peut aussi créer un bloc pour le protocole LoRa et on ajoute les informations nécessaires pour ce protocole et après on l'attache à la unité de télécommunication. Oui, c'est possible et ça c'est un moi je pense c'est un avantage de notre simulateur parce que c'est possible de modéliser le protocole différemment de la circuit. Donc on peut toujours tester des différents protocoles avec différents circuits. D'accord, ok. Donc, c'est juste, il suffit de créer le bloc avec les caractéristiques du protocole. Oui, exactement. D'accord, très bien. Ok, donc voilà, je passe à ma deuxième question. Donc, concernant l'aspect traitement et calcul, donc concernant l'unité de traitement. Oui. C'est vrai que voilà, dans tes travaux, tu t'es concentré plus sur la partie communication, unité de communication. Et on sait que dans la majorité des travaux concernant les réseaux de capteurs, surtout les simulations, bien les expérimentations, on considère que la consommation de l'énergie liée au calcul et à cette unité de traitement est négligeable en la comparant avec la consommation de l'énergie liée à la communication, ce qui n'est pas vrai. Donc, moi, ma question, donc, est-ce que c'était ça le critère ou bien la raison pour laquelle tu as juste, donc, t'es concentré sur la partie communication et pas trop sur la partie processing ou traitement? En fait, c'est-à-dire que tu considères que c'est négligeable en comparant avec la partie communication? Non, c'est pas négligeable. En fait, on a commencé par modéliser en détail la unité de télécommunication et on a assumé qu'on va faire un modèle très simple pour la processing unit. Et on n'a pas le temps vers cette direction pour ajouter des complexités sur le modèle de processing unit. Oui, je suis d'accord. Le modèle qu'on a utilisé, c'est très, très basique et il inclut juste trois phases. C'est wake up, sleep et active. Et dans l'active, on peut avoir plusieurs complexités. Par exemple, on peut avoir plusieurs fréquences et la consommation différente dans chaque fréquence. Et on peut avoir une consommation basée sur l'instruction, pour chaque instruction. Et oui, je suis d'accord, notre modèle de la processing unit, c'est basique. Oui, je suis d'accord. Et justement, il y a le simulateur TOSIM
qui propose un modèle pour la consommation de l'énergie de l'unité de traitement. Est-ce que tu as vu un peu En comment fait, ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il fait non? j'ai étudié le simulateur TOSIM. Les choses, moi je rappelle, sur TOSIM, je peux pas dire. Attends, Non, mais si, voilà, non, je peux c'est pas. rappelle-moi. Désolé, je peux pas. J'ai pas la réponse maintenant, mais c'est une chose très détaillée. Désolé, je peux pas. Non, il n'y a pas de Je souci. rappelle les choses sur l'énergie et l'énergie. Et je pense qu'on peut tracer l'état, mais pour le processing, non, non, désolé. D'accord, pas de souci. OK. Donc, j'ai une autre question aussi sur le modèle de communication Oui. concernant le voisinage, la détection de voisinage. Oui. Donc, dans ton simulateur, comment un nœud peut détecter un voisin? Est-ce que c'est automatique via l'unité de communication, donc s'il est dans sa zone de communication, ou bien dès le départ, voilà, on considère la topologie et la topologie est fixe? Ça, c'est une très bonne question. En fait, on a fait comment on dit? Et il y avait un objet pour la médium et quand il y a un nœud qui envoie, les autres nœuds, il peut être notifié que la médium, il y a un message sur ce canal. Le problème qu'on a, c'est la synchronisation. Et ça, ça veut dire que quand un nœud envoie, oh, je veux dire, un nœud met quelque chose sur le canal, parfois ça prend du temps pour les autres nœuds d'être notifiés et ils n'ont pas notifié très rapide au même temps. Et pour éviter ce type de problème, toujours on a laissé la deuxième nœud toujours active pour être toujours notifié. Donc, pour répondre à cette question, on a un modèle de canal et chaque nœud qui peut envoyer un message, il met le message sur le canal et l'autre nœud, ils vont être notifiés et ils cherchent les messages. Et si ces messages concernent un nœud spécifique, il va le traiter. D'accord, ok, je vois. Et donc, est-ce qu'il y a moyen d'intégrer des obstacles, ou bien cassure de lien, ou bien tout simplement topologie dynamique, parce qu'on sait bien que l'environnement d'un réseau de capteurs est très dynamique. Oui, ça c'était dans la perspective. C'est possible et il y a une place prête pour ce modèle, mais on n'a pas encore développé le modèle D'accord. de propagation. Ok, très bien. Après, j'ai voilà quelques questions concernant l'implémentation et la simulation. Donc voilà, tu as dit pourquoi vous avez choisi MATLAB, sachant que voilà, MATLAB déjà c'est un langage payant. On doit payer pour l'avoir et n'est pas accessible à tout le monde. Et il n'y a pas que ça. Je pense qu'il lui faut beaucoup de ressources, de mémoire et de processeurs. Donc, du coup, voilà ce qui manque un peu dans ta thèse, peut-être. Je ne sais pas si tu l'as déjà testé ou non. Donc, ma question est liée à cette consommation, ou bien à cette utilisation de ressources. Donc, toi, tu as testé ton simulateur sur ta propre machine? Oui. Pardon, j'ai pas compris la D'accord. question. Je le testais sur mon ordinateur seul. Donc la question c'est D'accord, sur ton ordinateur. est-ce que j'ai testé le. Ah, ok. Je pense que j'ai mal compris la Non, question. voilà. Donc, voilà, tu as comparé. Est-ce que tu as pu comparer, par exemple, ton simulateur au simulateur NS2 concernant l'utilisation de processeurs et de la mémoire.
Est-ce que ton simulateur sur une simple machine peut se lancer, et voilà, sans ramer avec voilà, une certaine vitesse, etc. Ça, c'est très intéressant. Je vais juste montrer une chose ici. En fait, c'est très intéressant parce que ici, le critère qu'on a développé, il y a un item spécifique pour la performance. Donc, on peut comparer les comment on dit, les simulateurs pour détecter la performance, et on peut comparer les la usage de la mémoire, la usage de la CPU, et aussi le temps utilisé pour exécuter un spécifique scénario. Ça, c'est un critère dans notre critéria. Mais le problème pour notre étude, on a développé ces critères, on a testé pour quelques simulateurs, mais à la fin, on l'implémente pas dans notre on l'ajoute pas dans notre travaux. D'accord, donc pour toutes tes simulations de deux nœuds, tu n'as pas testé le temps d'exécution ou bien la Non, 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 comparant avec non, un non, non. S2. Mais notre critère, il y a des items spécifiques pour la performance, et donc il y a des étapes. Vous pouvez le suivre pour avoir un pass solide pour comparer la performance des simulateurs. D'accord. Toujours dans le même aspect, donc pour tes simulations, tu as juste donc pris une topologie de deux nœuds et tu as fait les simulations, sachant qu'on sait tous que quand on parle de réseau de capteurs, il s'agit donc de réseaux large scale, donc à grande échelle. Est-ce que tu as pu lancer des simulations avec plus de nœuds? Oui, Tester ton simulateur, par exemple, 20, 50 ou 100 nœuds. j'ai testé le simulateur avec 8 nœuds et ça marche bon de ma côté, mais pas plus que ça. Et je pense que si on y va vers un grand nombre de nœuds, on va avoir des problèmes de performance. Oui. Ça, je suis sûr. Donc Performance au la niveau. scalabilité, j'ai pas, il est pas très bien étudié, mais oui, si on y va dans cette direction, je pense, dis non, ça va, mais plus de 100 non comme ça, on va avoir un problème. Oui, parce que voilà, mais un réseau de capteurs, c'est minimum 100 nœuds. Oui. Donc d'accord. Donc ça, peut-être, c'est un aspect aussi à voir. Il y a d'autres aspects aussi, donc on a parlé de la topologie dynamique. Maintenant, j'ai une autre question, voilà, un peu plus générale, concernant les simulateurs récents. Ah oui. Est-ce que tu as, voilà, pendant cette dernière année, deux dernières années, est-ce que tu as vu des simulateurs dédiés réseaux de capteurs qui sont apparus et qui prennent en considération ces aspects, quoi, hardware and energy constraint? J'ai trouvé quelques simulateurs dédiés au Internet des objets, mais le problème, pourquoi on n'a pas inclus ce type de simulateur ici? Le problème, notre méthode, c'était basé sur la citation. Et ça veut dire que la simulation, la simulateur, il était en utilisation il y a plusieurs années. Et nous, on fait cette étude à 2018. Donc, le simulateur le plus récent, c'est IDEA-1. Et IDEA-1, Oui. il était fait en 2010, et il était dans la bonne forme en 2014. Donc, et il a pas, je pense qu'il a juste 8 citations. Donc, je pense que le problème ici, c'est la méthode pour faire un survey. Et il nous aide pas de inclure les simulations, le simulateur le plus récent. Oui, ça, je suis d'accord.
D'accord, mais est-ce qu'il existe, je veux dire, après Adiawan, est-ce qu'il existe d'autres simulateurs récents? Est-ce que tu es au courant? Moi, j'ai testé deux pour l'Internet des objets, mais je ne rappelle pas les noms. Mais j'ai testé deux. Ça, sûr. D'accord. D'accord, ok. Ok, bon, ben, merci Michel pour tes réponses. Merci. On va poursuivre avec les autres membres du jury. Donc, je vais donner la parole à Madame Najiba Mrabé-Bellage, donc professeure à l'Institut supérieur d'informatique et donc examinatrice de cette thèse. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Merci, Monsieur le Président. Je commence par remercier le professeur Octavine pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'assister aux soutenances à Estia Recherche. Et bon, c'est toujours intéressant d'aborder des thématiques, de nouvelles thématiques qui sont abordées dans le laboratoire de recherche sur lequel nous avons beaucoup de. Nous avons des coopérations qui évoluent. Et voilà, je remercie Michel Pacchini pour son travail fructueux, pour son rapport et sa présentation qui a beaucoup évolué par rapport à son rapport, parce qu'il y a eu des aspects que je n'ai pas compris dans le rapport et que j'ai bien pu comprendre dans cet exposé. Je remercie mes collègues qui ont posé pas mal de questions que j'avais en tête par rapport à ce travail. Donc, c'est vrai que c'est un travail original. Mais comment il a abordé le sujet n'a pas été vraiment, en fait, pas clair, mais j'étais un peu choquée par rapport au choix de la technique qu'il a utilisée pour choisir son outil de simulation, d'autant plus que les technologies évoluent. Et là, je commence par ma première question qui a été vraiment fondamentale pour moi, le choix de NS2 qui a été basé sur le nombre de publications, alors que son évolution s'est arrêtée depuis 2011. Donc, pour moi, puisque l'évolution du logiciel s'est arrêtée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou bon, peut-être c'est dû au concepteur, mais pourquoi depuis 2011 il n'y a pas eu d'amélioration? Parce que si on abandonne une technologie ou un logiciel, c'est que quelque part il y a des lacunes ou bien des limites. Donc, voir Michel l'utiliser en ce moment-là, en 2021, 10 ans après, ça m'a un peu intriguée. Alors, je ne sais pas si Michel peut me répondre sur cet aspect. Oui. En fait, je vais répondre, mais j'ai besoin d'expliquer quelque chose. La première chose, NS2, il était arrêté en 2011. Et le problème pour arrêter l'évaluation de NS2, ce n'est pas qu'il était pas, il a des limitations. Le problème, c'est qu'il y a NS3. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens qui ont développé NS3 n'était pas très efficace, il n'était pas très connu comme NS2. Et après 10 ans, NS2 était arrêté il y a 10 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est très utilisé dans le domaine de recherche de réseau. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a utilisé aussi Omnet plus dans notre. On a fait beaucoup de simulations avec Omnet plus qui était jusqu'à aujourd'hui en train de développer. Le problème qu'on a, c'est que les modèles de Omnet plus, il n'était pas stable. Et ça veut dire qu'il y a encore des choses qui sont changées pendant le temps.
Par exemple, si on prend la version 5, parce que nous, on a travaillé sur la version 5,2, et ça, c'était 2018. Et en 2019, il y avait une nouvelle version qui était 6. Et le nouvel 6, ils ont changé beaucoup des configurations et beaucoup des choses dans le protocole. Et ça, ça veut dire, ça ajoute un niveau de complexité de toujours suivre le changement pour comprendre pourquoi ils ont changé les protocoles et comment on peut avoir des choses compatibles. Donc, à la fin, on a choisi NS2 parce qu'il est plus stable et il supporte une grande version des protocoles. C'est ça, notre choix s'était basé sur ça. Mais on a testé des autres aussi. Oui, mais par rapport au diapo 20. Oui. Par rapport à ce que vous avez présenté dans les statistiques. C'est la première fois que je vois un choix qui se base sur le nombre de citations. Donc, c'est vrai que le TOSIM et le NS2 ont le même nombre de citations. Alors, est-ce que pourquoi le TOSIM, voilà. Donc, le TOSIM, il aborde l'aspect énergétique. Donc, pourquoi vous ne l'avez pas testé? Je vais répondre à ces questions. La première chose, c'est nous, on a choisi le nombre de citations pour avoir une vision générale. Et si moi, je viens ici pour vous montrer, la première chose, c'est de faire un survey sur les simulateurs. Après, on va avoir un nombre énorme de simulateurs. Oui, c'est basé sur la citation et ce n'était pas une chose scientifique, mais on a développé un critère pour évaluer un nombre spécifique de simulateurs. Parce que quand on cherche la citation, on a plus que 80 simulateurs et on ne peut pas étudier le 80. Donc, on a besoin d'un critère pour choisir. Donc, nous, on a choisi cet critère. Oui, je suis d'accord, c'était pas scientifique, mais c'est un critère qui nous a mené quelque part. Et après, nous, on a choisi des simulateurs et on a impliqué une méthode pour bien étudier. Deuxième chose, pour TOSIM, TOSIM, on a, je pense, on a des problèmes de compatibilité avec Linux et on a des difficultés de la lancer. Ça c'était le problème avec TOSIM. D'accord. Vous avez dit dans la page 35, The Literature Survey certified that cross-level energy aware approach has not yet been. Certified me paraît un peu exagéré parce que peut-être vous êtes passé à côté d'un article qui est entamé ou là, bien une. Un simulateur qui entame cette. Page 35 dans la mémoire. Technologie, oui. Dans la version, je ne sais pas si j'ai la bonne version, mais c'est celle que j'ai téléchargée via le lien qui m'a été transmis de l'administration. Donc, dans la page 35, vous avez dit que votre étude bibliographique certifie que that cross-level energy aware approach has not yet been completed aboard, adopted. Alors, si ça n'a pas été abordé, est-ce que vous avez pensé pourquoi? Est-ce qu'ils sont passés à côté de cette technologie? Est-ce que cette technologie, le cross level energy aware, est une nouvelle technologie qui n'a pas été
maîtrisé ou je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me... En fait, le mot certifié de, c'est un peu exagéré parce que tu peux passer à côté d'un article quand même. Je partage mon écran dans la thèse. Attends. Non, mais c'est pas la peine, juste tu as écrit quelque part que tu certifies la littérature t'en surveille. Oui, tu descends, oui. Oui, certifié, yes, dans la ligne. Non, tu descends. Oui. Tu descends, c'est la quatrième ligne, juste avant la quatrième. Tu descends, Oui. la cinquième, sixième, voilà. However, the above, yes, voilà. Oui. Le mot certifié, c'est-à-dire, je sais pas, tu as, c'est... En fait, tu t'es basé sur l'étude bibliographique. Je comprends que bon, tu as adopté cette démarche, c'est bon. Mais là, on peut passer à côté d'un travail. Oui. Et dans l'industrie, parfois, on ne publie pas les travaux, les simulateurs des industriels. On a directement des brevets, des choses qui sont utilisées. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Moi, je dis qu'il y a peut-être un travail Oui. qui a été fait. Ah, en fait, Voilà. nous on a fait cette étude et notre résultat c'est basé sur cette étude. Et oui, je suis d'accord. Peut-être il y a des autres gens qui ont développé une chose proche ou la même. Peut-être. Moi, j'ai fait un état d'art et j'ai lu Oui, beaucoup des mais... articles et j'ai pas trouvé une chose comme ça. Mais on peut pas dire que ça n'existe pas. Peut-être Voilà, ça certifié, existe. justement, c'est le mot, voilà. Oui, Donc ça existe peut-être. C'est le mot certifié. Ok, donc je vais noter ça ici et je vais le changer. Et merci. Mais, Et voilà. merci pour ce note. Merci. Ça m'a intrigué, tu n'as pas parlé de MATLAB dans ton étude. Bibliographique. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont travaillé avec MATLAB? Oui, en fait, on a trouvé quelques études qui disent le MATLAB, on a trouvé, parce qu'on a fait des surveys, comme j'ai montré avant, et dans cette survey, on a trouvé des études qui disent le MATLAB, c'est la simulateur qui était le plus cité. Mais le problème, c'était pas. Je vais essayer d'expliquer ça. C'est un petit peu difficile. Attendez. Le problème, c'est le MATLAB, c'est un framework. Et il y a plusieurs de simulateurs qui sont développés et ils sont maintenant des simulateurs indépendants. Par exemple, notre simulateur maintenant, c'est basé sur MATLAB, mais c'est un simulateur indépendant. Et pour les lancer, vous n'avez pas besoin d'utiliser le MATLAB. Et donc, dans ce cas, est-ce qu'on dit c'est un MATLAB ou c'est un simulateur séparé? Parce qu'on a un problème pour... Ça, c'était le problème. Et à la Oui. fin, on a dit qu'on ne va pas considérer le MATLAB comme un simulateur, on va le considérer comme un langage de programmation. D'accord. On peut aussi dire comme un framework. C'est comme ça. Je passe à... Je sais pas, il y a un écho. Alors, par rapport à l'énergie, par rapport à ton capteur, à votre cas pratique, alors vous avez testé un capteur, quel capteur? En fait, Capteur de quelle grandeur? je vais.
Je ne pense pas qu'il y a un slide, mais c'est dans le rapport. J'ai vu la carte, le capteur réel. Voilà ton capteur. Ben, il capte quelques ondes. En fait, ça, c'est le capteur de température. Et on a aussi testé un capteur de humidité. On a un modèle prêt pour les deux. Ça, c'est un D'accord. température. Ça, c'est pour le température. Ah, d'accord. Donc, pour toi, puisque la distance entre les capteurs, elle est importante, est-il préférable de les mettre dans le même socle, dans le même, puisque ça dépend de la distance. Mais je parle dans la majorité des systèmes, les capteurs peuvent être disposés dans des différents endroits. Pour des raisons de spécificité du système. Donc, est-ce que votre étude peut donner du plus ou bien peut, je sais pas, votre étude peut être applicable à d'autres systèmes là où la distance ne peut pas être décidée par les utilisateurs, c'est-à-dire ils sont obligés de garder cette distance par obligation? En fait, on n'a pas étudié l'effet de distance entre les noms. La distance entre les capteurs sur la Capteur. le, sur les sur le type de données stockées ou analysées. On a juste étudié la distance la interaction entre la distance des noms et la puissance de transmission. Mais oui, c'est possible de stocker les données. La première chose, stocker les données capturées par des capteurs, analyse les données et après on peut voir. Oui, c'est possible. On peut voir une étude sur. On cherche une relation entre la distance entre les noms et entre les capteurs et les données capturées. Oui, c'est possible, mais on n'a pas fait. Mais c'est possible. Alors, si chaque capteur, il a sa batterie. Oui. J'ai pas compris la question. Alors, vous pouvez prévoir dans votre simulation un gestionnaire d'énergie qui fait un échange entre c'est-à-dire si la durée de vie de la batterie d'un capteur est fini, est terminé, est-ce qu'il y a un moyen que l'autre capteur peut profiter d'un capteur voisin? Non, non, Non. pas encore. Pas encore. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais je pense. Est-ce que vous pouvez encore une fois Alors, poser la question? vous avez des capteurs qui sont voisins. Et vous avez chaque capteur, il a un besoin énergétique. Et là, par exemple, pour le calcul, il faut une consommation d'énergie. Pour chaque phase, il y a une consommation de l'énergie. Est-ce que vous pouvez imaginer un système de gestion de l'énergie qui fait que si la batterie d'un capteur est arrivé à une limite inférieure. On parle du socle, de la batterie, etc. Donc, est-il possible que certaines parties, par exemple la mémoire du capteur 1, soit gérée par la batterie de notre capteur qui est encore chargée? Donc, est-ce que vous pouvez imaginer un système de gestion de cette énergie globale dans votre système. En fait, je pense qu'on utilise le même mot pour parler des choses différentes. Je comprends votre idée, mais pour moi, les capteurs, c'est un juste circuit qui était dans le nom. Et vous parlez vous utilisez le mot capteur pour dire c'est un nœud séparé. Donc votre question c'est est-ce que un nœud peut être est-ce qu'un nœud peut utiliser la batterie d'autres temps
Dans notre simulateur, non. Si j'ai bien compris la question. Mais c'est possible pour deux capteurs de partager la même batterie dans le même nom. C'est ça, si j'ai bien compris la question. Ben, oui. D'accord. En fait, si vous avez des capteurs qui consomment une énergie disproportionnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes grandeurs de consommation, c'est pas les mêmes ordres de consommation, une puissance très différente. Et qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une question. Il a ses spécificités. Ça, c'est une question très importante parce que on a juste. Je vais montrer. Je ouvre ma thèse parce que j'ai pas montré ça dans la dans la présentation, mais on a adressé ce problème. Je vais vous montrer ici. Juste donne-moi. C'est ça. En fait. Le problème qu'on a, c'est par exemple le courant de slip, c'est très très faible. Et le courant, on parle de choses de 1, 2 microampères. Et on a des consommations dans l'état actif qui, on parle de 200-300 milliampères. Donc, c'est 3000 ou plus des différences. Ce type de choses, dans le simulateur, c'est possible de le traiter différemment parce que c'est un logiciel. On n'a pas un problème, mais l'expérimental vrai, on a vraiment un problème pour ça. Et on a décidé de faire un système de multiplication qui nous permet à choisir comment on mesure le capteur à partir de sa valeur. Et ça, ce système, c'était pas fait, mais c'est une proposition. Oui, donc on a ce problème et nous, il s'appelle adaptive multiplexing. C'est ça. D'accord. Merci. Oui. Alors, puisqu'on est sur le rapport, j'ai juste une petite remarque. Je n'ai pas compris dans la bibliographie l'appendix 1 contient une référence bibliographique. Et là, vous avez la bibliographie. Alors, je ne vois pas l'intérêt de l'appendix 1, l'annexe 1. Oui, oui. En fait, je comprends, c'est ici. En fait, on a fait le survey, et le survey qu'on a fait, on a trouvé, je pense, 49 papiers. Et le papier qu'on a trouvé, on a utilisé des mots-clés. Donc, parfois, on trouve des articles qui nous servent pas notre objectif. Donc, dans la thèse, j'ai dit on a trouvé 45 papiers, ou une chose comme ça. Je sais pas. C'est écrit dans le chapitre 2. Et de ce papier, on a choisi les papiers qui sont liés à notre recherche. Donc ici, je donne juste une liste de tous les papiers qu'on a trouvés. Et peut-être il y a des papiers qui sont pas liés à notre recherche. Et donc, je ne l'inclus pas. Je ne l'inclus pas dans l'étude. Mais je l'ajoute ici parce que s'il y a des gens qui vont suivre le travail que j'ai fait exact, ils peuvent trouver les papiers que j'ai trouvés. Et ça, c'est pas une bibliographie pour la thèse, mais ça, c'est les articles que j'ai trouvés dans l'étape 2, dans le chapitre 2. Chapitre 2, oui. Oui. De toute façon, vous avez une redondance
entre le 6 et le 13. C'est le même article. OK. Le 6e et le 13e. Donc, il faut enlever l'un des deux. OK. Bon, ben, c'est un travail très, très important. Ben, je te remercie pour cette originalité. Merci. Et bon, c'est vrai que certains aspects n'ont pas été compréhensibles par rapport à moi au début, mais vraiment par rapport à la présentation, je te félicite encore une fois parce que vous avez expliqué davantage les phénomènes les plus importants et pour aller droit au but et pour expliquer votre valeur ajoutée dans ce travail. Et qui n'est, je pense, qu'un début d'un grand axe de recherche et d'un développement de tout un logiciel. Et bravo et merci pour encore une fois pour l'implication dans cette soutenance. Merci, Monsieur le Président de jury. Et voilà. Merci. Merci, Madame Rabé-Bellage. Je vais passer la parole maintenant au deuxième examinateur, donc Monsieur Philippe Rose, maître de conf HDR à l'Université de Pau et Pays de l'Adour. Merci, Monsieur le Président. Merci donc à Octaviane et Guillaume de m'avoir proposé de participer à ce jury. Et j'y participe avec d'autant plus de plaisir que Michel, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Puisque j'ai eu l'occasion et le grand plaisir, je me répète, d'accueillir Michel il y a quelques années en stage de master, où il a fait un excellent travail. J'ai un doctorant qui lui doit d'ailleurs une fière chandelle, puisqu'il a réalisé une partie de son prototype. Et c'est vrai qu'on avait déjà détecté le potentiel de Michel à ce moment-là, et je suis ravi de le revoir aujourd'hui en ce jour, qui est quand même un jour important pour lui et puis pour les personnes également qui l'ont encadré. C'est toujours un moment un peu émouvant, une fin de thèse. Bon, on va pas verser dans le mélo, mais j'ai quand même quelques remarques et quelques questions. D'abord, alors ma question va être un petit peu différente des précédentes. Je suis moins spécialiste que mes prédécesseurs qui ont parlé. J'avais des remarques sur la modélisation, Michel, que tu as utilisée. Tu as utilisé UML. Oui. J'ai bien vu. En fait, j'ai utilisé le UML, mais on essayait de... parce que ça, c'était l'OPAS qu'on a utilisé. Après, on ajoute un autre niveau pour pas... pour cacher ça, parce que pour créer une chose qui n'était pas basée, c'est passé sur UML, oui, c'est passé sur UML, oui. Et en fait, ma question c'était, mais pourquoi vous n'avez pas utilisé SysML, qui est un profil UML qui est justement parfaitement, je pense, adapté à ce que vous faites? Oui, vous avez raison. Le problème, c'est ma thèse, c'est section 63, et j'ai essayé de juste utiliser les choses des utiles spécifiés dans cette domaine, et le CCML c'est vu comme une chose liée à la section 27. D'accord, c'est comme ça. Alors, je n'étant pas spécialiste, j'avoue que sur certains aspects, je suis un peu juste. Tu es parti sur le cross-level, donc je comprends, ouais, l'idée, le single-level, le multi-level, ça je connaissais. Le cross-level, j'avoue que je ne connaissais pas. Par contre, ce choix-là, pourquoi tu l'as fait? C'est-à-dire, mettre un simulateur à ce niveau-là, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça permet de résoudre comme problème? Je reformule peut-être ma question qui n'est pas claire. Qu'est-ce que le cross-level a de différent avec le single et le multi-level? En fait, la chose avec le réseau de capteurs, c'est qu'ils ont beaucoup de niveaux. Ça, c'est la première chose. Donc, les simulateurs qui sont single-level, ils peuvent juste... insister sur un seul niveau. Par exemple, on peut avoir
un simulateur qui était vraiment pour les hardware, comme TOSIM. Et on peut avoir un simulateur qui était vraiment pour les protocoles, comme NS2. Et le problème, c'est qu'on a besoin d'un simulateur qui prend en détail les côtés software et les côtés hardware au même temps pour voir comment les interactions entre les deux. Et pour prendre en compte ça, ici, c'est où la chose intéressante pour l'approche cross-level, c'est ici. Et nous, on a continué l'idée, parce que IDEA 1, c'est un simulateur qui était multiniveau, mais il a commencé de proposer des solutions cross-level, mais sans adresser cet aspect. Mais les solutions proposées par IDEA 1, ils sont entre multi-level et cross-level. Et nous, on a continué, on prend un petit peu un pas additionnel. D'accord. À la diapo 39, où tu fais des évaluations. 39. Je te laisse y arriver. En fait, tu montres la mesure simulée et le réel, on va dire, où il y a de la vraie mesure. Oui, c'est ça. Et tu expliques que ton simulateur, finalement, il est beaucoup plus fin que la mesure puisque tu peux gérer beaucoup de paramètres. Ça, je vais vraiment expliquer c'est quoi le problème qu'on a ici. Par exemple, je vais donner deux exemples parce qu'on a parce que les non-physiques c'est très compliqué en compare avec la simulation. Par exemple, la duration de la phase 2, c'est la duration de la calibration. Et cette phase, ça finit quand on envoie. Mais le problème, c'est on ne sait pas quand on en envoie, parce que dans le circuit, on ajoute juste les messages dans un queue FIFO, et après, quand le circuit il est disponible, il envoie. Donc, la phase 2 et la phase 3, ça toujours existe, mais on sait, dans la mesure, on ne sait pas quand la phase 3 ça commence. Il existe toujours, mais on ne sait pas ça comment. La même chose, oui. C'était dans la... Pardon. Alors, la question, ce n'est pas tant l'explication. Moi, ma question, c'est... Donc, tu as un simulateur qui est ultra précis. Donc, ce simulateur peut t'amener à faire des choix. Des choix d'organisation, de structure, peut-être, de messages que tu vas envoyer ou ne pas envoyer dans ton architecture de capteurs. Mais du coup, quand tu vas passer au monde réel, tu vas avoir des résultats qui sont finalement sensiblement différents parce que toi, dans ton simulateur, tu as plein de paramètres et dans la vraie vie, ces paramètres-là, tu ne vas pas les gérer ou pas de, ou en tout cas pas aussi finement. Et du coup, moi, je me pose la question de ce passage de la simulation, si on utilise la simulation pour anticiper les déploiements, quelle est la véracité finalement de ces déploiements ? En fait, ça dépend de l'application. Et je ne peux pas dire. Ça dépend de l'application. Et je ne peux pas. Je n'ai pas des idées claires de maintenant, mais peut-être. On peut avoir, c'est pas grave. Non, peut-être on peut avoir des résultats. Ça dépend de l'application. Mais si l'application elle est complexe, on va avoir des résultats un petit peu loin. Parce qu'ici, on voit vraiment un pattern qui était simple. Et donc, on peut faire des... Oui. Par exemple, si on a un pattern qui est complexe ou une chose qui ne sont pas périodiques, comme par exemple un changement dans la topologie qui arrive... Et il y a un protocole de routage qui était activé pour trouver la meilleure chemin. Et dans ce cas, ça, c'est une action qui consomme beaucoup d'énergie, qui était complexe.
et qui n'était pas périodique. Et notre simulateur, il ne peut pas prendre une chose comme ça en compte. Et donc, si le scénario est complexe, on va avoir des différences. Oui. D'accord. Oui, c'est parce qu'il va y avoir des déviations, forcément. Hein, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont les paramètres qu'il faut dévier plus ou moins, peut-être. Je pense que je n'ai pas compris la question, désolé. Non, il y a des paramètres qui vont avoir une influence supérieure que d'autres paramètres. Oui, oui. Ce qui est intéressant, c'est quand on va passer de la simulation à un vrai déploiement, ce serait d'avoir d'anticiper sur certains paramètres et dire attention, si ce n'est pas pris en compte dans l'implémentation réelle, on peut avoir des déviations de mesure plus ou moins importantes. Oui, oui, ça c'est vrai. Par exemple, ce qui permet en fait dans la vraie vie de dire ah ok attention il faudra que je pense à implémenter à paramétrer ce point là. Oui en fait par exemple si on prend le protocole de Zigbee le protocole il a plus que 100 paramètres et nous on a choisi un ensemble de ce paramètre et dans cet ensemble moi je peux dire par exemple, le DP et le threshold pour faire la fragmentation, ils sont très importants et ils ont un grand effet, un gros impact sur la consommation d'énergie. Et ça, ça veut dire pas que les autres, ils n'ont pas un impact, mais il y a des, comme vous dites, il y a des paramètres qui ont un influence très très grand. Par exemple, comme j'ai dit, la DP pour le protocole de communication, la DP et la fragmentation threshold. Ok. En 5.43, donc tu expliques que bah, dans ton mode de gestion des CPU, tu gères, on va dire, de façon simplifiée les CPU. Oui. Tu ne gères pas les turbo boost, les différents modes d'économie, et donc il faudra le faire. Alors ça, je vois bien parce que ben, nous aussi, on a développé un simulateur, mais on est 27e section, donc on s'occupe plus des aspects logiciels, et puis le côté matériel, finalement, on l'a simulé, on va dire, assez grossièrement, mais on a quand même des profils de CPU. Du coup, j'ai prononcé le mot, comment, puisque tu as dit que tu souhaitais mettre ça en place, tu le vois comment? C'est-à-dire que tu vas créer des espèces de patrons, de profils, de différents CPU avec différents modes d'exécution, c'est ça? En fait, ça, moi je pense qu'on a besoin d'ajouter le OS comme un objet. Et cet OS, il a un complément, un behavior, je ne sais pas le mot en français. Comportement, et comme ça on peut ajouter cette OS dans la NAND et on a le hardware d'un CPU le hardware pour un CPU qui était dans le NAND et un pattern complexe comme ça ce sera un résultat des interactions entre le hardware et le software si on fait comme ça. Ok. Abdallah a souligné un point qui est également important, c'est l'extensibilité du simulateur. Donc, il parlait de rajouter des protocoles. Tu as dit que c'était faisable. Est-ce qu'il y a une espèce de formalisme qui permettrait d'aider à l'ajout comme ça de protocoles ou est-ce que c'est vraiment, faut rentrer, faut se retrousser les manches et vraiment rentrer dans MATLAB? En fait, c'est ici. Pour le protocole, vous pouvez créer un fichier XML. Et après, parce qu'il y a un modèle spécifique pour le protocole de raison qui inclut toutes les choses et c'est juste à configurer. Donc, D'accord, c'est bien. C'est ce que je ne savais pas. Très bien, merci. De rien. Bon, je vais arrêter avec mes questions. Je souhaitais souligner le gros travail de l'état de l'art qui a été réalisé, parce que évidemment, c'était très important pour toi, mais c'est souvent, on glisse assez facilement sur l'état de l'art. Tu as fait un gros travail là-dessus.
Et l'organisation, je ne connaissais pas cette organisation en Two Diamonds comme tu as présenté, avec une vraie belle organisation justement pour aller, pour converger vers les derniers simulateurs que tu sélectionnais. Et je souhaitais également souligner la clarté de ta présentation et je retrouve ton souci toujours d'être précis, d'être clair dans tes explications. Je l'ai retrouvé aujourd'hui dans la présentation. Merci Michel. Merci. Monsieur le Président, j'ai fini. Merci Philippe. Donc, on va passer la parole à Monsieur Renaud Briand qui est invité à cette soutenance. Il est chercheur à Aquitaine Électronique. Monsieur Briand. Oui, merci Monsieur le Président. Vous me voyez non, là, oh. Si, elle est activée. Moi, je la vois de mon côté. Moi, oui. C'est bon. Donc, voilà, je tenais tout d'abord à remercier Octaviane et Guillaume pour m'avoir invité à participer à la récitation de ce travail. Je te remercie, Michel, pour cette jolie présentation. C'est clair, très compréhensible, et donc j'ai pu suivre assez facilement. Donc c'est vrai qu'au début de ta thèse, j'avais participé un petit peu, j'avais suivi un petit peu le début de tes travaux, et ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas recroisé. Donc félicitations pour tout le travail accompli depuis, et donc cette jolie restitution que tu nous as fait aujourd'hui. Merci. Donc comme je suis venu aujourd'hui avec ma casquette industrielle, je vais poser quelques questions en ce sens, donc qui rejoignent un petit peu les questions de Philippe là notamment. Donc c'est l'utilisation finale de ce simulateur. Est-ce qu'il est prévu, donc à la suite de ces travaux-là, de le rendre accessible à la communauté, pourquoi pas à l'industrie ? Je peux dire non, pas encore, mais on n'est pas proche, on n'est pas loin de ça. Et je vais dire une autre chose, c'est nous, quand on a commencé de développer ce simulateur, notre objectif, on a un objectif pour nous, un objectif clair, c'était qu'on a besoin de faire une chose pour les designers de réseaux de capteurs et des chercheurs. Donc notre travail, c'était pas destiné seulement pour les chercheurs. Donc pour ça, on a développé une interface qui était, on dit, c'était pas parfait, mais c'était facile à utiliser. Donc parce que si il y a des designers qui peuvent utiliser ce simulateur, et on a besoin de voir une interface. Malheureusement, l'interface maintenant, c'est juste pour les outputs. On n'a pas encore développé une interface pour les inputs, mais on n'est pas. C'est dans la prochaine étape. D'accord. Et tu estimes à combien de temps pour réaliser ce travail-là ou non, mais... Je peux pas dire. C'est parce que normalement on dit, on commence, on dit ça va prendre cette période. Et après il y a des problèmes qui, je peux pas dire, mais je dis proche. Très bien. Et je veux dire Inch'Allah. Donc par rapport à l'utilisation justement donc du coup de l'outil et du simulateur, tu as parlé donc de caractéristiques de hardware, oui. Notamment en termes de consommation. Toutes ces choses-là, est-ce que ces informations-là, tu les récupères des docs techniques des composants ou alors c'est des mesures, parce que la notion de réveil, tu as parlé de consommation de réveil, est-ce que ça, ce sont des choses qu'on trouve dans les docs techniques? Je ne suis pas sûr. Ou est-ce que tu as fait des mesures sur ces composants? En fait, les choses, les bases pour notre travail, c'était les data sheets, les documents techniques. Mais parfois, il y a des, par exemple, il y a des détails qui sont pas dans les documents. Soit on a cherché l'internet, si on ne trouve pas l'information exacte, on le mesure. Oui, spécialement c'est pas juste la consommation, c'est le temps, parce que parfois il y a des petits temps qui sont pas écrits dans le datasheet, mais on trouve toujours qu'on allume les circuits, qu'il y a une chose
qui prend, je sais pas, qui arrive et on ne sait pas pourquoi, donc on utilise la mesure pour le détecter. Oui. Très bien, merci. Et ensuite, donc une autre question, c'est concernant la stratégie du nœud, c'est-à-dire moi quelque chose qui m'intéresserait sur un simulateur comme ça, c'est de pouvoir estimer, comparer la consommation énergétique d'un système sur lequel on a une mesure, sur un nœud, on fait une mesure, on transmet la mesure dans la foulée, ou alors on fait des mesures sans transmettre, par exemple 5, 10 mesures, et à la 10e mesure, on transmet les 10 mesures qu'on a. J'aimerais bien voir, par exemple, l'apport que ça aurait de choisir cette stratégie-là par rapport à la première qui est basique, envoyer périodiquement la mesure. En fait, ça, c'est l'agrégation des données. Parce que si on fait des mesures différentes, plusieurs mesures, on n'a pas besoin de. Par exemple, on peut faire un average, un moyen, pour toutes les valeurs qu'on a fait, et on envoie juste une seule valeur. Théoriquement, c'est possible, mais je ne sais pas comment ça va affecter la consommation d'énergie. Parce que même quand on fait des calculs pour avoir des résultats, pour avoir une agrégation, ce calcul, ça va consommer d'énergie. Je ne sais pas si on peut aller vers la consommation pire instruction pour chaque instruction, comment je sais pas, mais je dis c'est possible théoriquement, oui, mais en pratique je sais pas comment ce sera. Non, mais l'architecture justement cross level, je pense qu'elle a cet avantage là. Oui exactement, c'est extensible, on peut ajouter des scalables, je sais pas le mot. Très bien. Bien, merci pour la réponse, pour tes réponses à mes questions. Et puis je rends la parole à Monsieur le Président. Merci. Merci. Merci Monsieur Briand. Donc maintenant je vais laisser la parole aux deux encadrants de Michel. Donc je ne sais pas qui va commencer. Je vais commencer. Si ta vie m'oblige à commencer. merci Monsieur le Président. Merci aussi aux membres du jury pour ces retours et ces questions, et merci à Michel pour cette présentation claire. On a vu que tu étais stressé, là tu vas pouvoir commencer à te détendre parce que moi je ne veux pas te poser de questions, mais bon, ça n'a pas été simple en 15 jours, ça c'est clair, parce que finalement on n'a eu que 15 jours pour faire cette présentation et la préparer, mais bon, ça reflète bien ton travail. Ça reflète bien ta personnalité aussi, je pense. Donc, comment tu as mené, comment tu as, parcouru tes idées, comment tu as structuré tes idées. Et ça montre ce que tu as apporté comme contribution. Moi, j'aimerais juste préciser un petit truc par rapport aux questions. En fait, c'est la majeure. Je pense que la plus grosse contribution aujourd'hui de Michel sur ce travail-là, c'est de prouver en fait l'intérêt du cross-level, de l'approche cross-level. Et effectivement, comme vous l'avez dénoté par vos questions, donc il y a encore beaucoup de travail et beaucoup de verrous à lever, donc pour que ça soit un outil complet, pour pouvoir outrepasser certaines problématiques liées à la scalabilité ou autre chose. Et ça, on l'a constaté durant les travaux, on a dû faire des choix, et je pense que l'idée au départ, c'était de prouver l'intérêt de cette approche-là. Je ne vais pas labrer plus longtemps, je vais remercier surtout Michel du travail réalisé pendant ces 3 années, surtout la dernière année où ça n'a pas été simple, avec cette situation qui nous oblige à être masqués et à ne pas vous avoir sur site. Ça n'a pas été simple, je pense que ça ne lui a pas forcément permis d'aller un peu plus loin dans son travail, notamment au niveau des expérimentations, qui aurait pu apporter un peu plus de retour sur ce qu'il a fait et mieux valoriser finalement son travail au final. Parce que le labo étant fermé,
Les encadrants pas forcément disponibles, obligés d'être en télétravail, ça n'a pas été forcément facile de l'accompagner. Surtout sur une phase de rédaction où il a fallu combiner rédaction et expérimentation, où ce n'est pas forcément la phase la plus agréable d'une thèse. C'était difficile. D'une thèse. Donc voilà, je voulais te remercier pour le travail réalisé et pour ta personnalité qui est riche, en fait. Et je pense qu'on n'en a pas découvert la moitié. Donc je voulais te remercier pour ça et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer à discuter de comment on peut faire évoluer ce simulateur. Voilà, je passe la parole à Octaviane directement. Très bien, merci Guillaume. Merci Monsieur le Président, merci à tout le monde d'être avec nous par visioconférence, désolé pour les conditions. J'ai eu le plaisir d'encadrer Michel, comme Guillaume l'a dit, effectivement, Michel il a une personnalité spécifique. Donc, en fait, finalement, la thèse a été enrichissante des points de vue scientifiques, mais aussi des points de vue personnels. Donc, les interactions avec Michel nous ont fait avancer aussi dans cette direction. Pour revenir un peu, je ne vais bien sûr pas poser des questions, étant donné que je suis le directeur de thèse. Vous pouvez. Mais juste pour spécifier un peu plus les choses par rapport aux questions et par rapport à ce que Michel a dit. Effectivement, à certains moments, on a fait des choix. Certains choix basés sur notre expérience, d'autres choix basés sur l'expérience de nos collègues. Par exemple, quand on est parti sur l'étude des simulateurs en prenant en compte les citations, on a plutôt adopté... En fait, ici à l'Estia, on est entouré par plein de sections CNU et on a beaucoup d'informaticiens autour de nous. Et cette méthode avec les citations, elle est utilisée par nos collègues informaticiens. Donc c'est à partir de là qu'on s'est dit que ça peut être une solution. Certainement, ce n'est pas forcément la meilleure, mais bon. Donc on a essayé de trouver à partir de là, de sélectionner les simulateurs. Ensuite, par rapport à MATLAB, effectivement, pour nous c'était plus simple parce que on parle tous en MATLAB ici, mais c'était aussi pour faciliter l'implémentation, donc arriver plus rapidement, on va dire, à créer le simulateur. Sans trop se casser la tête, chercher des bibliothèques Python ou autres. Et surtout, en fait, le simulateur, Michel, il a développé en utilisant la programmation objet. C'est pas vraiment difficile de le passer sur autre chose que MATLAB. Et toute la configuration est faite en passant par des fichiers XML. XML, voilà, merci Michel, des fichiers XML. Là aussi, c'est très, très générique, très général. Le simulateur peut assez rapidement être transféré sur un autre langage de programmation si on arrive à avoir une version suffisamment stable. J'insiste sur vraiment la flexibilité. Tout simplement, c'est très simple de rajouter un capteur parce qu'on rajoute un fichier XML. Il faut juste respecter la structure. C'est très simple de rajouter un protocole, c'est pareil. On rajoute un fichier XML.
et après on le prend en compte dans la configuration du nœud. Donc, il y a effectivement il y a plein de choses à dire par rapport à l'état des charges, la gestion de l'énergie, l'état des charges, tout ça. Donc il y a des choses qui sont pas finalisées, bien sûr. Donc on est en plein développement. Il y a des choses qu'on va essayer d'intégrer, mais effectivement c'est pas encore fini. Donc le simulateur il est pas encore finalisé. Donc je vais m'arrêter ici. Je vais pas monopoliser plus longtemps la parole. Donc merci beaucoup et je vous rends le micro. Merci. Merci Monsieur Curia. Donc je voyais qu'il y avait un public dans l'amphi. Est-ce qu'il y a un docteur qui souhaiterait poser une question à Michel avant de clôturer cette session? Je pense non. D'accord, très bien. Ben, merci Michel encore une fois pour ta présentation. Donc nous, on va quitter la session pour aller dans un autre salon pour la délibération et on revient après vers vous. Merci. Très bien.
test. Test. Yes.
Oh, bonjour. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Donc, Je vais juste demander que est-ce qu'on peut avoir une photo avec le jury parce qu'ils ont demandé ici la service informatique pour avoir une photo avec le jury. Donc, je vais demander que si c'est possible. Bien je sûr. Fais payer moi. Ok, donc je vais juste. Rebonjour. Ok, on attend quand toutes les gens ils sont ici. Et après, comme ça. Alors, moi, je ne vois pas les participants. Il n'y a que moi. Non, on voit y a Cécile qui est là. Ah, oui. Guillaume aussi. D'accord, bah mais je ne sais pas pourquoi je ne vois pas les autres. Il y a Guillaume qui vient d'arriver. D'accord. Ok, parfait. Ok, donc Madame Najiba n'était pas ici. Je pense qu'il a un problème de réseau. Non ? Ok. Donc on. Ok. On attend encore 1-2 minutes. Najiba, elle a encore des soucis de connexion. Ah non, pourquoi non, pas toi. Ok, il est ici, je pense. Ok, parfait. Parfait. C'est pas nous. Okay. Madame Najiba, elle n'était pas ici. Ok, je sais pas. Ok, est-ce que vous, Madame Najiba, est-ce que vous pouvez ouvrir la caméra, s'il vous plaît? Oui. Ce qu'on m'appelle en parallèle, j'ai un appel en parallèle. Ok. Ok, parfait. On peut prendre une photo. Donc, 3, 2, 1, et maintenant. Parfait, merci. Merci pour tous. Donc, en fait, ça, c'était pour merci. La photo. Ça, c'était pour la photo. Bon, c'est bon? Je pense, oui. On peut quand même lire le rapport. Ok.
Ok, je pense, oui. Oui. C'est bon, vous êtes tous là? Tu es prêt, Michel? Oui, comme toujours. Très bien. Donc voilà, après la délibération du jury, donc le jury donc, a trouvé que Michel a bien présenté dans un exposé clair, pédagogique et précis son travail de recherche concernant la modélisation et l'implémentation d'un simulateur cross-level dédié au réseau de capteurs sans fil, couvrant à la fois les aspects électroniques et informatiques. Donc c'est un sujet vaste auquel il a su apporter une contribution innovante et originale. Le jury a apprécié la cohérence des travaux qui proposent une méthodologie pour recenser et évaluer les simulateurs réseau les plus utilisés, une modélisation de différents niveaux d'abstraction du réseau de capteurs et une implémentation validée avec des expérimentations via des plateformes logicielles et physiques. Donc, M. Bakni a répondu de manière claire et convaincante aux nombreuses questions du jury. Ses réponses ont démontré son aisance à l'oral et sa maîtrise des problématiques abordées qui relèvent des domaines de l'électronique et de l'informatique. Donc, pour toutes ces raisons, le jury décerne à M. Michel Bakni à l'unanimité le grade de docteur en électronique de l'Université de Bordeaux. Toutes mes félicitations. Merci. 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 Félicitations, Michel. Je vais parler en anglais parce que c'est plus facile pour moi. I would just like to thank everyone who helped me to arrive here at this point, and I will especially thank my directors, Guillaume and Octavian, because they helped me a lot to evolve in to evolve personally and scientifically. And I can say that today I am the person who I am now because of their help. So I'm really grateful for that. And I have luck to be with you for more than 3 years and a half, because this really helped me to evolve. And I would also thanks my professors. Here we have Mr. Philippe and Mr. Abdallah, who were my previous professor. Mr. Philippe first, he was my supervisor in my master, and he helped me a lot to understand and to develop my scientific thinking. And for Mr. Abdallah, he was my teacher in university in my master degree. The first year I arrived to France, and he helped me a lot with the integration process, because I at that time I did not speak French, and it was really very, very hard for me to integrate. So I really want to thank you for that. And I would also like to thank Madame Cicely and Madame Belodi and Madame Najiba Bilaj to participate in this jury and for this. So thank you a lot. And finally, I would like to thank my friend Yannick. He's here, and he's really doing all what he can do to make my residence in France very easy. So I'd like to thank him. So thank you very much. Merci beaucoup. And c'est tout. Donc merci vraiment. Et j'ai pas de mots pour dire merci. C'est tout. Merci Michel, profitez bien. Ouais, félicitations.
Félicitations encore une fois. Félicitations et bon courage pour le futur. Merci. Ouais. Merci. Merci à tous. Passez une bonne journée. Oui, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, Tavi. Au revoir. Au revoir. Guillaume, merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À la prochaine, j'espère. Ah, oh, pardon. Pardon. Merci. C'est fini. C'est fini.